je fais la recette de pain d'oiseau de Suzanne Brulotte. Alors, je prends toujours de la graisse Tender Flake. Puis, dans sa recette, c'est marqué une tasse de graisse et une tasse de beurre d'arachide. Mais moi, je coupe la livre de graisse en deux. Fait que ça donne un petit peu plus qu'une tasse. Ça donne environ une tasse et un tiers, pas tout à fait un tiers. Ça donne un petit peu plus. Fait que je mets la même quantité de beurre d'arachide que la quantité de graisse. Je mets ça dans une grosse tasse en verre. J'ai tout coupé la graisse en petits cubes. Puis là, avec le beurre d'arachide, je vais mettre ça dans le micro-ondes une minute pour que ça devienne un peu plus liquide. Alors, le beurre d'arachide, j'achète toujours des 2 kilos, des gros contenants. Puis, je garde le contenant pour faire des mangeoires d'oiseaux. Alors, dans la recette, on met une tasse de farine de maïs. Alors là, j'ai acheté de la farine de maïs en 2 kilos. Farine de maïs. Et la farine, normalement, de maïs, elle est plus blanche, elle est plus jaune un peu. Mais celle-ci, elle est blanche. Alors, j'ai mis ça dans un gros contenant. Fait que là, je mets un petit peu plus qu'une tasse parce qu'on met la même quantité de farine de maïs que la graisse et puis le beurre d'arachide. Puis le gruau, ben c'est n'importe quel gruau. Je prends du gruau rapide. Alors, en tout, c'est 5 tasses. Dans celle-là, il y a 4 tasses plus une tasse. Alors, après une minute au micro-ondes, le beurre d'arachide est plus liquide. Et puis, la graisse, vu que je l'avais coupée en petits morceaux, bien, c'est plus facile à faire fondre. Alors, on brasse tout pour que ça devienne assez liquide. Puis après ça, on rajoute les ingrédients secs. Alors, c'est pas compliqué. Une tasse de farine de maïs. 5 tasses de gruau. Puis ça fait une belle texture. On lance ça. Alors, quand on a terminé de bien mélanger, ça fait un beau mélange assez épais. Puis là, moi, je mets ça dans des petits contenants d'épices. Je garde tous les petits contenants d'épices. Je remplis mon petit contenant, puis je les fais congeler. Fait que quand on les dégèle, puis qu'on les place dans les mangeoires, dans les grillages, ça se démoule très bien, vu qu'il est congelé. Alors, je les presse comme il faut, avec une cuillère. Puis là, je m'en garde après, avant de tout le geler, pour aller remplir mes grosses bûches, remplir les trous de mes bûches. Alors, quand mes petits contenants sont gelés, comme ça, tous les petits contenants, alors c'est facile à démouler. Là, j'ai juste à aller remplir mes mangeoires. Avec la quantité de jet bleu, c'est toujours vide. Alors, ça se démoule facilement. Puis, on peut en placer deux si on veut en mettre deux au lieu de un. Moi, j'en mets toujours un, puis je vais aller remplacer souvent. Et dans les petits grillages comme ça, on peut en mettre deux ou trois. Et voilà. Alors, je presse le mélange comme il faut dans le petit contenant pour que ça fasse un pain tout pris ensemble. Alors, quand on le fait dégeler, bien, il ne se défait pas, ça reste dans un beau bloc avec le dos de la cuillère. On tape
après ça, on met les petits couvercles, puis on les fait congeler. Alors, avec la petite cuillère, bien, je remplis toutes les trous de mes bûches. Les trous sont très profonds, alors ça loge beaucoup. J'ai deux grosses bûches. J'en mets aussi dans un petit rondin, comme ça ici. Et puis, j'ai un beau contenant. Je remplis tout au complet avec le mélange. C'est facile pour les oiseaux.